qu'est-ce que vous pensez des enfants? Terraformation, processeur atmosphérique, puits de gravité, méga nuage exterminateur. On n'avait pas la moindre idée de ce qui nous attendait dans Eleus. Dites donc. Si on savait à quoi s'attendre, ce serait pas une aventure. Ce serait juste un déménagement. Et tout le monde déteste les déménagements. Rien que de faire les cartons. Pas faux. Je dis juste... J'espère que vous avez un plan, Ryder. Le plan n'a pas changé. On doit trouver une terre d'accueil, coûte que coûte. Ne perdez pas cette détermination. Ça me fait croire qu'on a une chance d'y arriver. Enfin, on n'a pas le choix. Parce que dans le cas contraire, je préfère ne pas y penser. Vous étiez sur le Nexus pendant la révolte? Quand on promet aux gens des mondes en or, et qu'on leur présente des déserts et un nuage exterminateur, c'est normal qu'ils protestent. Certains voulaient repartir, d'autres exigeaient des réponses. Et puis quelques-uns cherchaient juste à foutre le bordel. Et vous? Parfois, je me demande si les exilés n'avaient pas raison. Toute cette opération n'était peut-être bien qu'une arnaque. Mais pourquoi l'initiative se donnerait autant de mal, juste pour nous entuber? L'avantage d'une arnaque, c'est que l'arnaqueur cache toujours quelque chose à ses victimes. C'est pour ça que ça marche. Si je dois choisir un camp, je prends celui des menteurs. Vous avez sûrement du travail. On pourra discuter plus tard. Vous savez où me trouver? Ryder, vous avez déjà rencontré Spender des affaires coloniales? Ce connard d'assistant de direction? Je ne sais pas pourquoi Addison le garde avec elle. Spender a menti au Krogan pendant la révolte, et depuis il la cache dans le collimateur. Il mijote quelque chose, mais j'ai aucune preuve. On devrait aller lui rendre visite sur le Nexus. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Kesh comme petite fille? Kesh, c'est ma Roushane, la chair de ma chair. C'est moi qui l'ai élevée. Et je suis sacrément fier d'elle. Elle s'en est bien sortie, surtout avec un grand-père comme moi. Elle est honnête. Elle mâche pas ses mots. Il fallait bien que je lui transmette quelque chose. Est-ce que Lexi vous a briefé sur Sam et la connectivité de groupe? Ouais. Vous pouvez brancher ce truc à ma transmission si vous voulez. Mais ça ira pas plus loin. Vous mettre une IA dans la tête, lui donner accès à tout, c'est la catastrophe assurée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai vu de quoi sont capables les robots qui se retournent contre leur créateur. J'ai pris part à plusieurs de ces combats. C'est pas pour rien que ce genre de recherche a été interdit. Ouais. On m'a renvoyé de l'Alliance quand les recherches de mon père ont été rendues publiques. Sans blague. L'honneur des Ryder en a pris un coup, je parie. En effet. Ça me réjouit pas non plus, mais c'est comme ça. Assurez-vous juste qu'elle puisse pas s'émanciper toute seule. Ça nous coûtera cher si ça arrive. Pourquoi les Krogan ont quitté le Nexus? Le Nexus a demandé aux Krogan de mettre un terme à la mutinerie. En échange, on devait obtenir voix au chapitre des affaires de la station. Mais Spender, l'assistant d'Addison, avait menti sur les termes de l'accord. Et Tan n'a rien voulu savoir. Donc, on est parti. Kesh est toute seule à la station, maintenant. Vous avez peur que quelqu'un fasse du mal à Kesh? Hein? Plutôt qu'elle jette ce Spender dans l'espace, ou qu'il essaie de la poignarder dans le dos, et puis qu'elle le jette dans l'espace. Tan n'a pas voulu m'écouter quand je lui ai dit que Spender avait participé à la mutinerie. J'avais pas de preuves. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Il faut régler ce conflit. Mon clan doit revenir sur la station, mais sans Spender, pour tout foutre en l'air. À mon avis, vous êtes le mieux placé pour ce job. J'aimerais en savoir plus sur vous. Demandez ce que vous voulez. Comment vous avez rencontré Vetra? Ah, c'est vrai. Votre père vous a rallié au projet assez tard. Le réveil post-stase a dû être brutal. Vous avez eu un tas de trucs à apprendre sur le tas. On peut dire ça. Vous avez fait comme vous avez pu, ouais. Bref, j'ai rencontré Vetra quand le Nexus était encore en construction. J'étais à la recherche de matériel pour Kesh.
et elle me l'a piqué juste sous mon nez. J'ai essayé de l'intimider pour qu'elle me le rende, mais au cas où vous le sauriez pas déjà, faut pas la faire chier, la Turienne. Elle a un certain talent pour obtenir ce qu'elle veut. Je vous le fais pas dire. Mais c'est pas tout. Elle a attendu qu'on se recroise dans le bureau de Kesh en plus, pour me dire qu'elle bossait pour Maruchan depuis le début. Elle perd pas une occasion de me le rappeler, l'une comme l'autre. On reparlera plus tard. Ça marche. Ah, une dernière chose. Ouais. Tout le monde est un gamin pour vous? À peu près. Quand on atteint mon âge, vous savez... est à la proue, la salle des machines à la poupe, l'infirmerie est à tribord. Les trucs intelligents sont à l'avant, le moteur est à l'arrière. C'est plus clair. Encore vous. Vous voulez que je vous reparle de la cabane où j'ai grandi? Vous voulez vraiment pas me dire sur quoi vous travaillez? Non. Question suivante? Vous disiez être venu dans Andromède avec quelqu'un. On peut rien vous cacher à vous. C'est sûrement pour ça que vous êtes le pionnier. C'est juste une amie. Enfin, plus vraiment. Vaut mieux être sans attache pour s'aventurer dans l'inconnu. Vous croyez pas? Un minimum d'indépendance, ça peut être utile, oui. Exactement, je veux pas me sentir enfermée. C'était comment pour vous, sur le Nexus? J'étais pas censée me réveiller si tôt. Mon ancienne amie dont je vous ai parlé, ma complice, elle s'est débrouillée pour faire accélérer les choses. Donc j'ai vécu un peu en marge. Je me suis faite discrète, j'ai raconté des histoires pour embarquer dans des excursions. Quand j'ai trouvé ma première ruine reliquate, je me suis mise à... emprunter des navettes. À partir de ce moment-là, j'ai plus passé beaucoup de temps sur le Nexus. J'ai raté pratiquement toute la révolte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous répondiez à mes avances? Pas grand-chose. Mais sachez que mon cœur bat la chamade quand on répond à l'un de mes clins d'œil. Donc soyez vous-même, et le charme opérera tout seul. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe? Sacré groupe. Le courant est bien passé avec Vetra. C'est pas la Turienne militariste de base. Liam a l'air d'un bon vivant. Je crois qu'il pourrait me surprendre. Drak est... vieux. Je me demande s'il est ouvert au changement. Et Jal, c'est tout un chapitre qui a même pas encore été écrit. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et qu'est-ce que vous pensez de... Gil a pas l'air simple, ça va demander du boulot pour le cerner. Kalo et Souvi ont l'air... bosseurs. J'espère qu'ils savent s'amuser aussi. Il reste qui? Eh bien, il y a... Ah oui, Cora. Je sais pas trop quoi en penser. Elle est aussi coincée qu'elle en a l'air? Elle est exactement ce qu'on attend d'elle. Compétente, fiable, un vrai atout pour l'équipe. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Il y a aussi Lexi, notre médecin, une Asari. Oh, on fera connaissance un jour. En tout cas, dans l'ensemble, ils m'ont l'air pas mal. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'étudier les reliquats? Vous rigolez? C'est la preuve de l'existence d'une espèce avancée dont personne ne sait rien. Il n'y a pas plus intrigant. Tout est à découvrir. Je veux être la première à percer le mystère. Et leur technologie, c'est d'un tout autre niveau. Vous imaginez les progrès qu'on pourrait faire si on arrivait à se l'approprier? Je vous laisse tranquille, Pibi. Bonne chance pour votre projet. Merci. Revenez me voir quand vous voulez. Ce voyage commence à prendre une sacrée tournure. Des ennemis, des mondes en ruine, pas de terre d'accueil à l'horizon. Les esprits s'échauffent. Il y a eu un débat de 2 heures hier et personne ne sait comment ça a commencé.
C'est pas bon signe. Heureusement, j'ai la distraction idéale. Une soirée film. Une petite pause ciné? C'est vrai que ça pourrait être sympa. Et l'avantage, c'est que le film a même pas besoin d'être bon. Même un gros navet nous changerait les idées. Si ça peut booster le moral des troupes, ça vaut le coup d'essayer. La base de données du Tempête laisse à désirer. Vous pourriez télécharger une liste de films depuis le centre des opérations du Nexus? Si j'ai le temps. Merci, ça fera plaisir à tout le monde. Il y a une telle biodiversité sur Aya. Et ces cascades. Ça me rappelle Surkesh. Anomalie détectée. Les capteurs montrent une anomalie. Je vous envoie les coordonnées de Dar Pelav. C'est là que va se trouver l'équipe de la Moshaï. C'est une ancienne ville en Gara. Vous y trouverez des plateformes d'atterrissage et une vue dégagée pour approcher en toute sécurité. J'ai une anomalie sur les capteurs. C'est gros et peut-être hostile. J'engage une manœuvre d'évitement. Attendez. Je ne crois pas que... C'est pas chez nous qu'on aurait vu une chose pareille.
Vous avez vu toutes ces plantes? Le caveau doit marcher à plein tube ici. C'est beau, oui. Mais les étendues sauvages peuvent être mortelles. Ne montre aucun changement. Comment c'est possible? Jal, qu'est-ce que vous faites ici, en compagnie de ces gens? Kiran, voici le pionnier Ryder, qui vient de très loin. Ryder, voici Kiran Dice, scientifique en chef de Dar Pelaav. Je n'ai qu'une chose à dire. Avar est magnifique. La beauté de la planète est le cadet de mes soucis en ce moment. Où est le reste de l'équipe? Ryder connaît bien les reliquats. On pourrait les aider dans leurs recherches. Vous n'êtes pas au courant? Pendant que l'équipe explorait le monolithe, quelque chose a très mal tourné. Ils ont été pris dans une sorte de champ de stase reliquat. Ils sont figés sur place, sans réaction. Je sais faire marcher la technologie reliquate. Je peux vous aider. Ryder a vu un caveau et l'a réinitialisé, apparemment. On ne sait pas comment. Dans un océan de poissons, l'un d'eux aura des gemmes dans la bouche. Mais si l'alien peut nous aider, je mettrai mon scepticisme de côté. Le monolithe est près d'ici. Faites ce que vous pouvez, mais soyez prudents. On ne sait pas ce qui a déclenché la stase, et ça pourrait se reproduire. J'ai entendu l'avertissement disant que vous arriviez. Ça ne m'a pas préparé à vous rencontrer. Je m'appelle Ryder. Je suis avec l'initiative Andromède. Il paraît que vous voulez nous aider. Je me demande jusqu'où vous êtes prêts à aller. Je fais tout ce qu'il faudra pour gagner votre confiance. C'est rassurant, disons. En supposant que vos intentions sont bonnes. Je m'appelle Rachel Vierre. Je suis archéo-astronome. J'étudie nos archives culturelles de phénomènes stellaires. Je reconstitue les connaissances perdues des époques passées. Mon but est de découvrir des colonies dont on a perdu le contact. Des alliés potentiels contre les Kertes. Vous pensez qu'il existe des planètes Angara que vous ne connaissez pas? C'est ce que j'essayais de savoir quand c'est arrivé. Je n'étais pas là quand la catastrophe a frappé. J'ai cru que ma maison avait été détruite, avec toutes mes recherches. Mais je viens d'apprendre qu'une partie du bâtiment est intacte. J'essaie de récupérer les données de mes recherches, mais les animaux sauvages ne me laissent pas approcher. Ces visiteurs... Je suppose qu'ils sont du genre affamé. Le bâtiment est devenu un vrai nid d'insectes et de prédateurs. Il y en a trop pour que je les affronte seul. Votre travail est trop important pour qu'on l'abandonne. On va le récupérer. Je vais vous indiquer où se trouve ma maison. Récupérez simplement les données de recherche dans l'ordinateur. Je resterai en contact avec vous par transmission. Merci pour votre aide.
Pionnier, ici Rach Elvière. Vous n'êtes pas loin de ce qu'il reste de ma maison. J'ai détecté de nombreuses formes de vie. Et voilà! Pionnier, pionnier, le noyau de données de l'ordinateur est irréparable. Rachel, ici Ryder. On est dans votre ancienne maison, et vos données de recherche n'ont pas survécu. Vous avez fait tous ces efforts et pris tous ces risques pour rien. Je suis désolée. Je ne peux pas imaginer ce que vous ressentez. Je n'aurais pas dû me bercer d'illusions. Vous n'aviez pas de sauvegarde ? Bien sûr que si. Mais elles ont disparu avec le centre mémoriel du réseau de la ville. Ce site est enterré maintenant. Même si vous réussissez à trouver un point d'accès à la surface, les chances de récupérer quoi que ce soit sont très minces. Tout ce que j'ai entendu, c'est qu'on a une chance. Alors on y va. Je n'ai pas bien compris la traduction, mais je sais reconnaître l'optimisme quand je l'entends. Je peux vous indiquer la direction générale du centre mémoriel du réseau. Vous devrez chercher un nœud de réseau exposé. Je reste avec vous. Merci, pionnier. Pionnier, j'ai détecté des signaux d'énergie qui correspondent à un nœud de réseau actif. Est-ce qu'il est à la surface ? C'est ce qu'on va voir. Je me demande si je verrai quelque chose au scanner. Connexion au réseau établie. Je me connecte. Recherche en cours. Je les ai trouvés. Je télécharge les dossiers de recherche. Et voilà. Vous avez réussi. On a réussi. Hurrah. Maintenant qu'on a ces données, on va peut-être pouvoir récupérer tout ce qui a été perdu dans ce désastre. Je vais prévenir mes collègues. C'est un véritable exploit, pionnier.
Méfiez-vous d'Heroicar. Ce sont des fanatiques Angara qui détestent les aliens. Vous inclus. Charmant. Randals m'a dit quelque chose à propos de poissons et de gemmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un océan de poissons, l'un d'eux aura des gemmes dans la bouche. Votre réussite avec les reliquats tient plus aux probabilités qu'au talent. Quand le nombre de cas s'approche de l'infini, le résultat le moins probable devient probable. Ah, c'est bien que c'était quelque chose d'autre. Si jamais votre peau entre en contact avec la substance gluante qui les recouvre, nettoyez-le. Pas d'imprudence avec la flore locale, d'accord? Bon, ça sera bien la première fois que je qualifie des champignons de magnifiques. Les chercheurs piégés dans le champ de stase. Ils sont exactement là où Kiran nous l'a indiqué.
autre symbole. Je me demande si je verrai quelque chose au scanner. Il devrait y avoir d'autres glyphes dans les parages. Vous devriez à présent pouvoir activer l'interface pionnier. L'interface a échoué, pionnier. C'était incorrect, apparemment. L'interface a échoué, pionnier. C'était incorrect, apparemment.
D'après ce qu'on voit sur les moniteurs... Scut! Étoile de Scut! Quoi? Qui... Comment vous... Pionnier Ryder, de l'Initiative Andromède. Je viens d'une autre galaxie. Prenez votre temps. Retrouvez vos esprits. Encore des aliens qui débarquent de nulle part? Et Jal? Aucun d'entre vous ne se souvient d'être entré en stase. En stase? Je ne comprends pas. On travaillait sur le monolithe et ensuite... Ensuite, vous êtes apparu. Vous devriez rentrer à Pellave. Kiran voudra certainement vous parler. Vous avez sûrement raison. Oh, je commence à avoir la migraine. On devrait les accompagner jusqu'à la station, au cas où cette stase aurait des effets secondaires. Votre SAM dans votre tête, comment est-ce qu'il vous permet d'interagir avec les reliquats? SAM aide à analyser et à traduire, entre autres. C'est compliqué. On ne sait pas ce qui a causé ce feu. Vous ne sentez rien de différent ? Comment ça, des aliens un peu gris avec des pics? Des kertes? Non, cela était différent. On les a vus en sondant la zone, avant la stase. Vous parlez de Turiens? Vous avez vu des Turiens? Vous pourrez en parler avec Torvar tout à l'heure. Pour l'instant, je tiens à vous remercier d'avoir sauvé mon équipe. Vous n'avez pas menti. Kiran nous a tout raconté. Elle avait même des photos. Je vous prie de m'excuser pour l'accueil désagréable que je vous ai réservé à votre arrivée. Après tout ce que vous avez affronté, je vous en aurais pas voulu si vous m'aviez tiré dessus. On est tous heureux que ça ne soit pas arrivé. Ryder, ce que vous avez fait ici, avec votre compréhension des reliquats et votre SAM, ça devrait convaincre Ephra que vous êtes un atout. On devrait lui parler le plus tôt possible. Sur le Tempête, peut-être. Kiran, j'ai réfléchi. Si Ryder sait se servir de la technologie reliquate, on pourrait pas réparer les monolithes et arrêter le déclin d'Avarl? Le déclin d'Avarl? C'est long à expliquer. On en parlera plus tard, quand vous aurez le temps. Et n'oubliez pas de parler à Torvar de ces... Comment vous les appelez? Turiens? Vous avez mentionné que cette planète était en déclin. Elle n'en a pas l'air, mais Avarl est malade. Ça a commencé ici. Des mutations incontrôlées de la vie organique. Certaines espèces meurent, d'autres se transforment en poison. On commence à observer la même chose partout. L'écosystème de la planète s'effondre lentement, mais sûrement. C'est à cause des monolithes. Il n'y en a que deux, alors qu'il devrait y en avoir trois. La nature est tellement luxuriante ici. Votre caveau doit fonctionner. D'une certaine manière, c'est probable. Mais les monolithes ont pour rôle de propager les instructions du caveau sur toute la planète. S'il n'y en a que deux sur trois qui fonctionnent, les instructions sont déséquilibrées. Donc la vie est déséquilibrée. On n'a jamais essayé de demander aux sages. Il y a peut-être quelque chose dans leur tradition orale. Par les étoiles, ces ermites superstitieux n'en ont rien à faire des Angara modernes. Vous le savez aussi bien que moi. Vous avez vu les projections de survie de la planète. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Si on demande à vos sages et que ça donne rien, on sera pas moins avancé. Quel mal est-ce qu'il y a à ça? Le chemin qui gravit Mitrava est infesté de reliquats. La plupart d'entre nous ne s'y risquent pas. Mais vous pouvez toujours essayer. Suivez la rivière reliquate et faites attention. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur pendant que vous cherchez une vieille légende.
J'ai raconté à mes collègues ce que vous avez fait pour moi. Vous avez beaucoup d'amis sur Avar, le pionnier. C'est un sentiment réciproque. J'espère que vous trouverez vos colonies perdues. Si elles existent, on doit dire à leurs habitants qu'ils ne sont pas seuls. Pendant ce temps, les récents événements ont révélé des ruines dont on ignorait l'existence dans la vallée. On m'a dit qu'il y avait des glyphes ressemblant à des cartes stellaires. Je reste les étudier. Je ferai mieux de me mettre au travail.